Bienvenue sur la chaîne. Elle Volvo S60 2023 est une berline de luxe fabriquée par Volvo, connue pour son accent mis sur la sécurité, le design élégant et le confort intérieur. Avec une combinaison de fonctionnalités de sécurité avancée, une technologie innovante et un design attrayant, le Volvo S60 a gagné en popularité parmi les amateurs de berlines de luxe. Cependant, il présente également quelques défis, tels qu'un coût plus élevé par rapport à ses concurrents et des options de moteur limitées sur certains marchés. Dans cette revue, nous explorerons les aspects positifs et négatifs du Volvo S60. Voyons les aspects positifs de ce véhicule. Sécurité, équipé de fonctionnalités de sécurité avancées et de bonnes notes aux tests de sécurité. Design élégant, présente un design contemporain et aérodynamique. Confort et qualité intérieur, offre une cabine confortable, des sièges de qualité et des matériaux haut de gamme. Technologie avancée, dispose d'un système d'infodivertissement, de connectivité et de fonctionnalités d'assistance à la conduite. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, merci. Version de moteur. Volvo S60 T4, moteur essence de 2,0 litres, 4 cylindres, turbo compressé, d'environ 190 chevaux. Consommation de carburant combiné, environ 7 à 8 litres pour chaque 100 km, environ 29 à 35 miles par gallon. Volvo S60 T5, moteur essence de 2,0 litres, 4 cylindres, turbo compressé, d'environ 250 chevaux. Consommation de carburant combiné, environ 7 à 8,5 litres pour chaque 100 km, environ 27 à 33 miles par gallon. Volvo S60 T6, moteur essence de 2,0 litres, 4 cylindres, turbo compressé et suralimenté, d'environ 316 chevaux. Consommation de carburant combiné, environ 8 à 9 litres pour chaque 100 km, environ 26 à 31 miles par gallon. Volvo S60 Recharge T8, moteur hybride rechargeable, combinaison d'un moteur essence de 2,0 litres, 4 cylindres, turbo compressé et suralimenté, et d'un moteur électrique, d'environ 400 chevaux. Consommation de carburant combiné, mode hybride, environ 2 à 3 litres pour chaque 100 km, environ 71 à 94 miles par gallon équivalent. Volvo S60 D3, moteur diesel de 2,0 litres, 4 cylindres, turbo compressé, d'environ 150 chevaux. Consommation de carburant combiné, environ 5 à 6 litres pour chaque 100 km, environ 39 à 47 miles par gallon. Volvo S60 D4, moteur diesel de 2,0 litres, 4 cylindres, turbo compressé, d'environ 190 chevaux. Consommation de carburant. AMT combiné, environ 5,5 à 6,5 litres pour chaque 100 km, environ 36 à 45 miles par gallon. Transmission, le S60 est généralement équipé d'une transmission automatique à 8 vitesses offrant des changements de vitesse fluides et efficaces. Design, le Volvo S60 présente un design élégant et aérodynamique, avec des lignes douces et une apparence contemporaine. Il comporte la calandre distinctive de Volvo et des phares à LED avec le caractéristique « marteau de Thor » dans les feux de jour. Technologie intérieure, le Volvo S60 dispose d'une cabine élégante et moderne avec des matériaux de haute qualité. Il comprend un grand écran tactile central pour le système d'infodivertissement, offrant une connectivité avec les smartphones, la navigation, les commandes climatiques et d'autres fonctions du véhicule. Il peut également inclure un tableau de bord numérique personnalisable et un système audio haut de gamme. Confort et commodité, le S60 propose des sièges confortables et de soutien, avec des options de réglage électrique et des fonctions de chauffage et de ventilation disponibles. Il peut également inclure des options telles qu'un toit ouvrant panoramique, une climatisation à double zone, un éclairage d'ambiance, et plus encore. Option de traction, le S60 peut être disponible en configuration à traction avant ou intégrale, selon la version et le choix du moteur. Aspect négatif. Coût, il a un prix plus élevé par rapport à d'autres véhicules de sa catégorie. Espace de chargement limité, le coffre peut avoir un espace de chargement plus limité que d'autres concurrents. Sensation de conduite moins sportive, certains conducteurs peuvent trouver que l'expérience de conduite n'est pas aussi sportive que celle d'autres concurrents. Options de moteur limitées, sur certains marchés, les options de motorisation peuvent être plus limitées. En conclusion, le Volvo S60 2023 se distingue par son accent mis sur la sécurité, son design élégant, son confort intérieur et sa technologie avancée. Les acheteurs peuvent compter sur les fonctionnalités de sécurité avancées offertes par Volvo, ainsi que sur la qualité de construction et le design élégant du S60. De plus, la cabine offre une expérience confortable et de haute qualité, avec des fonctionnalités technologiques et des options de personnalisation. Cependant, il est important de noter que le Volvo S60 peut avoir un prix plus élevé que d'autres berlines de luxe dans son segment et que les options de motorisation peuvent être limitées sur certains marchés. Avant de prendre une décision d'achat, il est recommandé de faire un essai routier et de prendre en compte vos propres préférences et besoins individuels. Dans l'ensemble, le Volvo S60 2023 offre une combinaison solide de sécurité, de confort et de style pour ceux qui recherchent une berline de luxe. N'oubliez pas de vous abonner.